L'année 2022 fut une année très active, essentiellement pour moi en tant que délégué PDCI-RDA. Cette année, j'ai été nommé par le président Ikonam Bedié et nous avons mené beaucoup d'activités, d'activités terrain, et tout cela sur la bénédiction du président Ikonam Bedié. Ils sont satisfaits parce que cette année, le président Bedié est toujours au contrôle, il est notre référent, il demeure notre référent au PDCI-RDA. Et comme d'habitude, il a pu gérer le parti pendant 12 mois, sans qu'il y ait eu de problème majeur. Il est vrai qu'actuellement nous sommes confrontés à certaines défections, mais l'essentiel est toujours en place. Donc, pour cette nouvelle année qui arrive, j'aimerais souhaiter, comme ce fut le cas en 2022, une bonne et heureuse année 2023 au président Ikonam Bedié, et que Dieu Tout-Puissant continue de l'éclairer comme il a toujours bien fait, et qu'il permette à notre parti de pouvoir être le parti avant-gardiste, comme ça a toujours été le cas, et qu'il soit confiant. Nous, ces lieutenants qui sommes sur le terrain, nous sommes plus que convaincus que 2023, qui est une année électorale, le PDCI-RDA sortira grand. Et j'implore le Seigneur Tout-Puissant de lui accorder la santé. La santé et encore la santé, afin qu'il puisse voir son parti qui lui est cher triompher en 2023 et aussi en 2025. J'aimerais aussi souhaiter bonne et heureuse année à ma mère, maman Henriette Ikonam Bedié, me considère comme son fils, qui m'invite chaque fois qu'il y a une activité pour que je sois à ses côtés. J'implore aussi le Seigneur de lui accorder beaucoup de santé, afin qu'elle puisse être tout le temps aux côtés de notre père, pour le guider comme elle a toujours fait, et afin qu'elle aussi, elle puisse voir aussi le parti qui lui est cher triompher en 2023 et en 2025 pour la présidentielle. Un message aux militants du PDCI-RDA, c'est pour leur dire que ça fait aujourd'hui 23 ans que nous sommes à l'opposition, et lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation difficile, ce n'est pas facile d'être à l'opposition, et un message que Dieu nous donne. Ce message, c'est lorsque vous traversez des difficultés, Dieu utilise ces difficultés pour que votre situation change. Et si pendant des années, votre situation ne change pas, ça veut dire qu'il veut que votre comportement change. Donc c'est à nous de changer notre comportement afin que nous puissions obtenir le pouvoir d'État. Donc je leur demande de se focaliser sur le travail et d'abandonner définitivement les intrigues, parce que notre objectif final, c'est que notre parti revienne au pouvoir. À tous les militants et la population de Yopougon, j'aimerais que cette nouvelle année leur soit une bénédiction, qu'ils aient tous la santé et qu'ils continuent à faire confiance à leur enfant que je suis. Je suis à leur disposition et je travaillerai comme j'ai eu à le faire pour 2022 pour faire en sorte que cette année électorale leur soit bénéfique, qu'ils sachent que ce combat que nous menons tous ensemble, nous aboutirons. Nous aboutirons pour le bien-être et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année aux militants, à la population de Yopougon et spécialement à toute la Côte d'Ivoire. Qu'ils aient toujours la foi en leur pays, car ce pays est béni de Dieu et que nous devons toujours prier corps et âme pour le bien-être des Ivoiriens.